Juliane Bugier a annoncé sur son compte Twitter être absent du JT de 13h ce jeudi 1er décembre. Il est remplacé par Nathanaël de Runkezen à la présentation. Voici pourquoi. Après avoir été joker durant de nombreuses années, Juliane Bugier a accédé au fauteuil du 13h en janvier 2021 suite au départ de Marie-Sophie Lacaro pour TF1. Depuis, le journaliste a fait évoluer le programme, multipliant, en outre, les déplacements en extérieur. À ce propos, interrogé par Télé Loisirs il y a quelques semaines, il expliquait : « Désormais, ce JT me ressemble. Cette année, les éditions spéciales s'intéresseront plus spécifiquement au thème de l'écologie et du climat. Pour le reste, nous réfléchissons en permanence à des évolutions. » Juliane Bugier, absent du 13h de France 2 et remplacé par Valérie Hertel ce jeudi 1er décembre, le titulaire du JT de 13h a laissé son siège à Nathanaël de Runkezen, le joker habituel de ses journaux de mi-journée. En effet, en milieu de matinée, il avait indiqué sur son compte Instagram qu'il serait absent de l'antenne, tête de malade. Pas de JT 13h pour moi aujourd'hui. Je vous laisse avec Nathanaël de Runkezen et Valérie Hertel. Cette dernière, présente le jeudi, ne pourra pas interagir avec son comparse. Dans une interview pour Télé Loisirs, la journaliste s'est amusée à relater la bonne ambiance qu'il existe entre eux, on s'entend très bien, on va dans la même direction, y compris avec toute l'équipe du 13h. Juliane est souvent très à l'affût. Quand on voit des idées, on s'envoie des petits textos pour discuter des sujets et on travaille vraiment ensemble. On est très content d'être en plateau tous les deux, deux fois par semaine. J'espère que ça se sent. Nathanaël de Runkezen de retour pendant les vacances. Les téléspectateurs retrouveront très prochainement Nathanaël de Runkezen à la présentation du 13h. En effet, le joker prendra le relais de Juliane Bugier durant ses vacances. Ainsi, le journaliste assurera les éditions du 13h du vendredi 23 au vendredi 20 décembre. Le 20h, en semaine, sera dirigé par la journaliste Karine Bast durant les 15 jours de vacances. À lire aussi, Juliane Bugier se confie sur son JT de 13h délocalisé en Gironde suite aux incendies. Cet été cataclysmique a servi de révélateur pour les Français.